Les 40 disparus. C'est l'histoire d'un renard. Il s'appelle Chapeau. Ils habitent dans la forêt dans un buisson. Il est un petit peu bizarre parce qu'il a mangé des carottes. Il va aller chercher des carottes chez le lapin. Un matin, quand Chapeau va aller acheter des carottes chez le lapin, catastrophe, tous les carottes sont disparues. Comment il va faire notre renard? La faim! Il faut qu'il y retrouve. Chapeau voit des traces de pattes que le voleur a laissées dans la terre. Il suit les empreintes. Il commence à pleuvoir. Les empreintes de surface. Le renard rentre chez lui pour attendre la fin de la pluie. En regardant dans un livre, il trouve que les traces ressemblent aux traces de pattes d'un lion, un tigre ou un chat. Quand le soleil revient, le renard va dans le jardin du lapin pour installer un appareil photo. Il veut prendre une photo du voleur. Si le voleur vole quelque chose. Le lendemain, le voleur est revenu. Il volait toutes les salades. Et pareil, après une photo. On y voit une oreille. Elle est pointue en forme de triangle, blanche et poilue. Le renard décide d'aller chercher toutes les maisons autour. Il commence par la maison du zèbre. En voyant le zèbre, Chapeau s'est dit. Il a les oreilles pointues. Mais il y a des sabots. Ce n'est pas lui, le voleur. Ensuite, il va voir le tigre. Ses empreintes ressemblent à celles du jardin. Mais le tigre a des oreilles rondes et oranges. Ce n'est pas lui, le voleur. Puis, il va voir le chat. Il a les mêmes empreintes que celles du jardin. Et ses oreilles ressemblent à celles des photos. Sur la table du chat, sa peau voit des carottes et des salades. Pour ça, la tante qu'elle a pris. Pour donner à la chef qui est malade. Le renard et le lapin sont plus fâchés. Ils décident d'apporter à la chef carottes et de la salade jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Teresa, Lily, Joanne, Léna, Miguel, Roman, Eva, Mathis, Inès, Alissa, Yannick, Jacques, Adam, Tasnim, Michael, Elias, Manon, Sariot, Ibrahim, Ismaël, Courtney.